Fermé. Yep. Allô, allô. Test de stream avec OBS. Oula, un crash de CS. Normalement, j'ai un test viewer qui va me dire si ça passe. Et on est déjà live et on joue contre les grippes avec insectes. Nous sommes des insectes. Voilà. Ce stream est juste un test pour voir si OBS marche bien avec Twitch et qu'il n'y a pas de soucis. Puisque je n'ai plus de licence X-Split. Largement. On est sur Ram Tunis, le spam, avec un dédié de Massa 58-1. Les temps 58 sont pas mal quoi. 58 lots pour les meilleurs. Je crois que c'est la map la plus chiante, un peu la plus dure. Bon, ce que les gens m'ont dit, moi je l'ai pas beaucoup train. Je jouerai les deux autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Shriek qui est devant. Oula, encore CS qui crache. Magnat qui suit Shriek. Shriek, je crois. Et pas mal de B-Grip devant. On a qu'un seul temps, 58 quand même. Ce qui veut dire que la map est pas simple non plus. Test viewer, une connexion trop pourrie pour suivre. On va venir si ça marche bien. Tant pis. En tout cas 3-0, je crois qu'on va en 7 avec Tennis Mod. C'est pour la STC, le premier match des group stage. Donc voilà, on va jouer Easy Killer aussi dans ce groupe, on va jouer Xenon je crois, on va jouer DakSP et c'est peut-être tout. Voilà, et puis là on avait encore quelques crashs, on a c'est qui ça? Yam qui est devant, je connais pas. Avec Raylag, Electron et Magnet, on a peut-être un round d'insectes, oui je pense. On va les encourager. Donc là je joue avec Insect puisque j'ai pas de team et que bon, je connaissais Raylag et ça va être sympa. Insect, team composé surtout de gens des pays de l'Est, des Russes, des Ukrainiens, des choses comme ça. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de Français, très peu d'anglophones de base. Mais bon, c'est sympa, ça fait trouver rencontrer des gens nouveaux. Voilà, donc on sera là tout dimanche soir normalement. Et puis peut-être que je streamerai aussi... Peut-être que je streamerai aussi la Nation Cup, on va voir quand c'est que ça se joue, pour les Français en tout cas. Donc, en parallèle de cette cup, de ce championnat STC et cette cup, il y a la même mais au niveau des pays.
Et là on est encore sur. Ah non, on a BAP qui a crash, mais on est quand même sur un round big rip, hein, avec 3 big rip devant. Tranquille. Comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup traîné la map, alors j'en parle pas trop. De toute façon, les autres, je parlerai pas vu que je jouerai. Essayer de mettre quelques runes quand même. Même si naturellement Big Rip est largement favori et devrait s'en sortir. Comment je change l'intitulé de la diffusion? Mania 2, Stadium, STC. Voilà, j'ai mis à loin un jour en stream. Voilà, pardon si c'est un peu à l'arrache. Premier stream depuis longtemps. Comme je l'ai dit, j'ai plus mes 106 bits, alors je teste des trucs. J'ai plus non plus la connexion que j'avais auparavant. Donc voilà. Niveau stream, pour si quelqu'un tombe sur cette vidéo un jour, je devrais normalement peut-être bientôt participer au stream des qualifications, voire même de la Coupe du Monde de Trackmania sur Orcs TV. Vous serez informé via mon Twitch normalement. Pour ceux qui suivent. Ce sera courant septembre pour commencer. Et là on est du 5-1 quand même, je rappelle qu'on va en 7, on est tenu spot normalement. Donc les big rips se rapprochent tranquillement de la victoire. Avec un seul round mis seulement par les insectes. Peut-être que ça peut changer. Là on a Yam qui a fait une petite erreur. Devant on a deux big rips, on en a trois même. On a juste Electron et Magnette qui tentent de se battre. Côté insecte, mais c'est quand même un poil derrière BAP en tout cas. Au niveau des temps, du coup, on a très peu de 58 quand même. Ce qui signifie que la map est pas simple. Je pense que sur les autres maps, on verra des temps plus bas. Avec, on vient de voir une bonne fin de Magnette là qui est passée devant Quick. Est-ce que ça passera? Ah non, de peu, de 1 point, dommage. Bon bah 6-1, pas de chance. On a donc un map point pour Big Rip sur cette première map. De toute façon qu'on joue les 3 maps dans tous les cas. Chaque map peut être importante hein, pour le goal average plus tard. Vu qu'on est dans une phase de pool. Allez, dernier round éventuellement. Manette qui a pris un autre drift, c'est dommage. Pour l'instant, je pense que c'est le seul à avoir crashé. On a toujours du big rip devant. Oula, je crois que c'est peut-être un big rip qui vient de crash violemment là. Mais les 4 autres sont devant alors. Ah non. Ah bah non, ok, bon bah c'est du insecte. Ça sent la fin pour cette map. Plus qu'à save pour les big rips. 5v3 de toute façon. Et voilà, d'ailleurs on a même un ace pour finir. Fin de la première map, on va simplement passer à Callisto, map que je vais jouer. On va voir ce que ça donne, on va faire de notre mieux. Hein. Notre train n'est pas excessif. Alors, on a 3 big rips devant à la fin quand même au niveau des points. Les insectes se sont bien battus mais ça suffisait pas.
ce qui est des autres maps, je vais couper le micro par principe, puisque je vais jouer. Ça va, on doit avoir un peu de warm-up. On est sur Callisto, map de Skadi. Essayez de pas cracher les warm-up. Le D10, je crois, est en 58 quelque chose. De ranked, je crois. On verra ça à la fin du round normalement. Une map assez fluide, normalement assez tranquille. La fin, on peut perdre un peu de temps, vous allez voir. Ça peut être un peu tricky, mais il y a beaucoup de transitions, beaucoup de changements de plateforme, comme là on vient de voir. Une map assez originale, elle se régule bien normalement. Voilà, ranked en 57, 975 pardon, 57. Donc voilà. On aura des temps 58 normalement, je pense. Parmi les meilleurs, mais du 58 lot de temps en temps. Moi, je vais essayer de pas crash. Et de pas finir dernier. Ce sera une bonne chose. On peut perdre un peu de temps, c'est celui où j'arrive là. Il faut essayer de bouger le plus possible à droite. Bon, là j'ai fait un peu nimp. Sans perdre trop de vitesse pour la fin, en arrivant avec un angle correct, c'est pas simple. Fermer 2-3 trucs. Voilà, je vais couper mon micro du coup et puis je reparlerai à la fin de la map. À tout à l'heure.
le gros. Y'a moyen d'avoir le password pour Hardy? Le PW, sérieux? Si, je ne me quoi. Re. Bon bah voilà, on a mis une map. Merveilleux, 7-3. Et je fais même pas dernier. Je fais 7ème. Ah mais c'est Big Rip quand même. Oui c'est Big Rip. Mais t'as vu, enfin là sur la map il y en a deux qui ont fini dernier. Des Big Rip ils étaient pas train quoi, ils étaient 3. Mais bon, on est content, on a mis une map. Mais oui, tout à fait Thierry. Oui donc pour le stream là c'est Néné qui parle des orcs. Néné. Voilà. Pour tout le monde. T'inquiète, y'a personne, c'est pour faire un test avec OBS. Ah ok, d'accord. Défoncé sur la première map, en mode 7-1 tu vois. Ouais. Mais là, la deuxième, ouais, ils étaient pas assez train. Mais en vrai ils sont pas trop forts là, ça se voit que ils ont pas trop train. Si les insectes ils avaient pas joué la Spartan et ils avaient bien focus STC, je pense on aurait pu faire un truc en vrai. Ah oui. De quoi? La dernière map là du coup? Ouais, il y en a partout. Ouais. On est donc sur Yurmagne, pardon, de MD Point. Ah, mais c'est pas lancé là? Non, 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 warm-up. Et là, je la joue alors que je devais pas la jouer donc je l'ai traîné une heure il y a 3 jours. C'est pas grave. Aucun t'as vu. Ah mais du coup ça réutilise les blocs de l'ESL, d'accord. De quoi? Ça réutilise ouais. Les blocs de l'ESL. Ouais, c'est le title pack. Ah c'est celle de spam, elle était assez horrible niveau. Enfin celle d'avant était même. Enfin il y a beaucoup de transitions hardcore, enfin hardcore. Ah je veux dire. Dégueulasse quoi. Mais c'est pas aussi dégueulasse que les maps ESL par contre. Là ça va. Pour l'installation en tout cas c'est pas... Ouais, pas... c'est pas full bug quoi tu vois. Ça va. D'ailleurs ce pack là il est assez simple, c'est le premier pack, bon il est... ça va quoi. Ah, par contre je pense qu'on va prendre cher. Donc le DD1 c'est Massa, 58-8. Mais les Big Rip ouais ils sont pas, ça, ils sont pas trop train hein. D'accord. Ils sont pas faciles en dessous d'une seconde du DD1 quoi, pas tous les rounds quoi. Apparemment ils sont en autre train sur cette map. Ça c'est aussi. Ouais. Ah. Je vois BAP a écrit BRPG NP. Ah non John, je pense qu'il parle de la map précédente. Ouais mais d'avant oui. Wazawar... Untrained map, Cofinus Kiss. Ouais, celle d'avant c'était notre train. Enfin, il y en avait deux qui étaient notre train, quoi. Au moins deux. Bon. Mais elle, je pense que ça va aller. Enfin, à la vie, ils ont une train au moins deux tranquille, quoi. Bah, t'as deux Néo-Zélandais, d'accord.
Mais bon, on a mis une map, on est content. Il y a deux BX3 aussi, il bat tous les Whisper. Mais c'est que des BX3. Il y avait Yam et Quick. Ça, je sais pas, mais Punky, oui, il y était. Ah oui, ça oui. Ouais. Il fut rare. Ouais, mais bon, vite fait quoi. Ouais. Bah, c'était plus ou moins fait quoi. D'ailleurs, Punky, il y a une équipe de France aussi. Mais ça, je sais, ouais. Ah, je pense qu'on va se faire un peu péter, mais. Oh, tu verras bien. Oh, de toute façon, on a mis une map, on est content. Ok, pour le stream, je coupe le micro par principe. See you à la fin de la map, qu'on aura largement gagné évidemment. Tchou. Ouais, je vois ça. Ouais, le run il est foutu là. Bon, 0,29 les 5, en train de faire un champagne, t'es le premier à sec. T'es à 30 centièmes du 5ème, mais bon. Voilà quoi. Oh mon dieu. Ah bah oui, mais après tu pourrais, t'inquiète, mais je te le lis et tout quoi. Tu veux les infos, tant qu'à faire. Y'en a un qui tombe, rouge. Après y'en a 3 bleus aussi quoi. Vous êtes 2 bleus contre 2 rouges. Contre 4 rouges quoi. Ah non, 3 bleus maintenant. Y'en a un rouge, il commence à lâcher l'affaire. J'ai peut-être pas les infos aussi. Dérange. Ça te dérange peut-être les infos. D'accord, ok. D'accord, ok. Bon, je te dis rien. Hein. Ok. Moi, je te dis rien. Hein.
Ils disent good job, nœud. Chaque fois, j'ai l'impression qu'ils veulent dire nœud, nœud, quoi. End, nœud. Ah oui, pour neuro, d'accord. Non, c'est pas derrière. Mais... Ouais, c'est sûr. Ah mais il y a qu'un pack pour deux maps, enfin pour deux matchs. Ah c'est bien. Bon, enfin réfléchir. Ah mais de toute façon t'inquiète. Regarde ça. Tu veux faire. Non c'est vrai. Les 4 premiers là. Dis quand c'est bon. Je sais pas.
Ouais. Et voilà, c'est 2 euros sur la dernière. Nous avons perdu 2-1. Du coup, semaine prochaine, même heure, on se retrouve pour jouer contre Easy Killer. Ce sera encore plus dur normalement. Donc voilà, on a mis une map, on est content. Tchou!